Nous rappelons ton amour d'Agbo. Au milieu de ton temple, sur toute la terre, ceux qui t'ont rencontré proclament ta louange, car tu es toute justice. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce que dit l'antienne d'ouverture de ce jour. Bonjour et bienvenue à tous à cette célébration eucharistique qui sera présidée par le cérémoniel du pape Christophe XVIII, l'excellence Jean-Marie Vianney Rouyer. Il sera assisté des révérends Père Laurent Mekwe et Hermas Huingpe, respectivement curé de la paroisse Saint-Christophe de Djidjé et Saint-Augustin de Kindouna. En ce 14e dimanche du temps ordinaire, la chorale Ranyé du doyenné Saint-Gabriel de l'archidiocèse de Cotonou nous accompagnera tout au long de ce culte. Bonne prière à chacun et à tous. Nous sommes rassemblés au nom de Dagbo, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. La grâce de Dagbo, Dieu le Père, en communion avec l'amour de son bien-aimé Fils Jésus-Christ, soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Chers frères et sœurs, chers peuples du monde, chers croyants, chers Dagbovis, nous voici encore assemblés autour du Seigneur en ce 14e dimanche du temps ordinaire. Nous sommes rassemblés pour qu'il puisse se donner à nous à travers sa parole. Nous lui rendons grâce pour tant de grâce. Et à travers cette célébration eucharistique, nous allons confier à Dagbo, Dieu Esprit Saint, Dieu Créateur du ciel et de la terre, tous les malades du monde, tous les Dagbovis qui sont malades. Nous allons confier à la miséricorde divine tous les mutilés de ce temps. Nous allons lui confier tous les souffrants, tous ceux qui se sentent délaissés, tous ceux qui souffrent actuellement dans leur corps et dans leur âme. Nous allons confier à Dagbo tous ceux qui ont été rejetés, mais qui sont à la recherche de la consolation, que par cette célébration eucharistique, ils puissent trouver consolation et paix. Préparons-nous à la célébration de cette Eucharistie, le Christ notre Sauveur, en reconnaissant que nous sommes des pauvres pécheurs. Je confesse à Dagbo, Dieu Tout-Puissant, Père Père du ciel et de la terre, Père de son bien-aimé Fils Jésus-Christ, votre Seigneur, je reconnais devant toute la cour céleste et devant vous, mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, je le confesse, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, toute la cour céleste
et vous aussi mes frères, d'intercéder pour moi auprès de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ainsi qu'auprès de Dagbo, Dieu notre Père. Amen. Dagbo, Dieu Tout-Puissant, fais-nous miséricorde. Daigne-nous pardonner nos péchés, ceux de nos aïeux, de nos progénitures, et conduis-nous à la vie éternelle. Yeah.
Le Seigneur. Dagbo, Dieu éternel et tout-puissant, tu as relevé le monde par l'abaissement et l'obéissance de ton Fils bien-aimé. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché et de l'emprise de la mort. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Dagbo, qui est Père, Fils et Esprit Saint, maintenant et pour les siècles sans fin. Amen. Chapitre 9, les versets 9 et 10. Ainsi parle Dagbo, Dieu éternel et tout-puissant. Exulte de toute ta force, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Pauvre et monté sur un âne, un anon, le petit d'une ânesse. Ce roi fera disparaître d'Éphraïm les chars de guerre et de Jérusalem les chevaux de combat. Il brisera l'arc de guerre et il proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Parole de Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dagbo, notre Dieu. Oh, Dagbo, oui, yeah.
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Dagobies, chapitre 8, versets 9, 11 à 13. Frères Dagobies, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'esprit de Dagô habite en vous. Celui qui n'a pas l'esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de celui qui a ressuscité notre Seigneur et Sauveur, Fofo Jésus-Christ, d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frère Dagobie, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. Parole de Dagô, Dieu Tout-Puissant. Alléluia, alléluia. Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au Dagobie. En ce temps-là, Fofo Jésus, fils de Dagô, notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, prit la parole et dit: Père Dagô, mon Dieu, créateur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, aux petits restes d'Israël innocents, que les hommes ne considèrent même pas, qu'ils prennent pour des badauds, des illettrés et des sans défense. Oui, Père Dagô, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tu m'as tout donné, ainsi qu'à tous mes frères Dagô, ton petit reste d'Israël. Les lieux de ton cœur, personne ne me connaît, sinon toi Dagô, et personne ne te connaît, sinon moi ton fils bien-aimé. Frère jumeau de ton vicaire, que tu as choisi selon ton cœur et à celui à qui tu veux bien le révéler. Acclamons la parole de Dagô Dieu Tout-Puissant. Louange à toi, Seigneur Jésus.
comme Saint Paul avait l'habitude d'envoyer sa salutation à toutes ces communautés qu'il a fait naître par la grâce de Dagbo, j'aimerais envoyer la salutation, cette même salutation, à tous les peuples du monde, à tous les hommes du monde, en particulier à tous les croyants du monde. Au Dagbo vit partout dans le monde. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, nous témoigne de son amour et nous rassure. Avant d'entamer le commentaire des textes de ce jour, j'aimerais poser une question. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Est-ce la richesse? Est-ce la pauvreté? Est-ce l'humiliation? Est-ce la maladie? C'est quoi? Saint Paul avait répondu, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Si nous sommes convaincus et si nous avons cette foi-là, sachez que c'est à vous que s'adresse le Seigneur à travers les textes que vous venez d'écouter, qui invite tous les croyants, tous ceux qui ont confiance en Dieu, tous ceux qui ont mis tous leurs espoirs en Dieu. C'est à vous qu'il adresse à travers la première lecture, la deuxième lecture, l'évangile que vous venez d'entendre, ces paroles de joie. La première lecture tirée du livre de Zacharie, oui, dès le début, Dagbo, Dieu Tout-Puissant, le Père de notre Seigneur et Sauveur Fofo Jésus-Christ, nous invite à exulter de joie. Exultez de joie de toutes vos forces, filles de Jérusalem. Oui, Jérusalem dans ce livre a été personnifiée. Oui, Jérusalem aujourd'hui c'est vous. C'est vous, chers croyants du monde, chers Dagbovites, malgré les difficultés. Exultez de joie. Parce que quand vous lisez bien la première lecture, le temps utilisé est le futur. Et dans ce temps, le Seigneur nous dit, un roi vient vers vous pour vous délivrer de vos épreuves, de vos souffrances, et vous connaîtrez la joie éternelle. Croyez-vous à cela? Oui. Je suis sûr que vous avez la même foi que moi. Cette foi qui nous donne la force d'aller en avant. Cette force, cette foi-là, qui amène Saint Paul dans la deuxième lecture, a dit, ne vivez pas selon la chair. Parce que lui, il a compris, il a vu, il a fait l'expérience et a conclu que tous ceux qui se laissent guider par l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Christ, sont toujours victorieux. Comme l'a dit Zacharie, le prophète Zacharie dans la première lecture. Ce roi qui vient, il est victorieux. Il vient disparaître, faire disparaître les chars d'Éphraïm et tout ce qui pousse à la révolte. Chers frères et sœurs d'Abovi, et tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui suivent cette célébration eucharistique, en particulier les démunis, les opprimés, tous ceux qui sont victimes d'injustices partout dans le monde,
tous ceux qui ont été rejetés par des familles, des proches. Aujourd'hui, le Seigneur s'adresse à tout un chacun d'eux. Le Seigneur les invite à exulter de joie de toutes leurs forces. Et cette joie dont nous devons être animés, nous l'avons vue dans l'Évangile à travers notre Seigneur et Sauveur Fofo Jésus-Christ. Oui, il proclamait cette louange à son Père. Il adressait cette louange à son Père. Mais pourquoi? Avant d'adresser cette louange, chers frères et sœurs, il a d'abord eu confiance en son Père. Souvenez-vous, le soir même où il allait être livré, il disait ceci: Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe de souffrance. Mais en même temps, il sait que oui, il n'agit pas pour lui-même. On l'a envoyé. Il a eu confiance en celui qui l'a envoyé. Et il ajouta: que ça ne soit pas fait selon ma volonté, mais selon ta volonté. En même temps, les textes d'aujourd'hui nous questionnent sur comment nous faisons la volonté de Dagbo, ce Dieu qui nous a tant aimés, ce Dieu qui a tant aimé ce monde et n'a pas seulement envoyé son Fils. Chers frères et sœurs, il est venu lui-même, il est parmi nous. Ce Dieu infiniment grand, infiniment petit. Il s'est fait petit, il est parmi nous. Oui, chers frères et sœurs. Et ce n'est pas parce que nous le méritons, cher Dagbovi. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Fofo Jésus nous a dit dans l'Évangile, il a fait tout ça là dans sa bienveillance. Et c'est en ça que nous devons être heureux, chers frères et sœurs. Au-delà, au-dessus de tout ce qui nous arrive, de tout ce que nous traversons, nous devons être heureux que Dieu est de notre côté, que ce roi-là victorieux nous mène. Il nous a choisis, nous sommes son peuple, nous sommes ses enfants, comme Israël dans les temps anciens. Oui, il a fait une promesse, il a fait une promesse, Dagbo a fait une promesse à Israël. Je vais t'enlever de l'esclavage et t'amener sur ta terre, ta propre terre, et là tu resteras et rien ne te manquera. Mais le Seigneur l'a fait. Dieu l'a fait. Mais ça n'a pas été facile. C'est avec la souffrance. Israël a traversé des épreuves. Nous aussi, nous traversons des épreuves. Nous ne devons pas fuir ces épreuves-là. Au contraire, nous devons demander la force à Dieu, à Dagbo de nous aider à être toujours victorieux de ses souffrances, de ses épreuves. Fofo Jésus nous a dit dans l'Évangile, vers la fin, venez à moi et laissez-moi vos fardeaux. Vos fardeaux qui pèsent sur vous. Et je crois que c'est ce que chacun, en suivant cette célébration eucharistique, en vivant ces moments précieux avec Dieu, en compagnie de tous les saints du ciel, je crois bien que c'est pour déposer ces fardeaux. Oui, chers frères et sœurs, je ne finirai pas cette homélie sans attirer votre attention sur cet homme-là qui nous a montré Dieu. Comme l'a fait Jean-Baptiste, et nous le lisons dans les Évangiles, il n'a pas été orgueilleux comme ses frères en son temps. Je veux parler du pape Christophe XVIII. Oui, il a reconnu ce Dieu d'Israël, ce Dieu de Jacob, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Salomon. Et grâce à lui, nous sommes des enfants bien-aimés, comme le Christ. Demandons
à travers cette célébration eucharistique, que la grâce de Dagbo le soutienne encore et encore. Le pape Christophe XVIII, je vous l'ai dit, afin que cette lourde responsabilité qui lui a été confiée, qu'il soit capable de rendre un bon compte à Dagbo qu'il a choisi pour nous. J'aimerais inviter tous les Dagbovis du monde à la persévérance, à la prière, et inviter tous les hommes de ce temps qui ne croient pas encore que c'est Dieu qui est là et qui chuchote et qui sabote et qui dénigre. J'aimerais leur rappeler que ce Dieu n'a jamais changé, il est avec nous. Le Seigneur est avec vous. Je crois en Dagbo, Dieu Tout-Puissant. Créateur du ciel et de la terre. Et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu de Dagbo lui-même. La Vierge Marie, où il est devenu vrai homme et vrai Dieu, il a souffert par les pharisiens ainsi que ses frères. Et sous Ponce Pilate, il a été crucifié. Il est mort et il a été enseveli. Est descendu au royaume des morts, d'où il est ressuscité vrai Dieu le troisième jour. Avant de monter auprès de Dagbo, Dieu notre Père qui l'a envoyé. Assis auprès de Dagbo, Dieu le Père ce Tout-Puissant, ce même Dagbo qui est d'abord revenu dans toute sa gloire, se manifester au petit reste d'Israël, selon la promesse faite à Abraham et renouvelée à son fils à Galilée. D'auprès de lui, il enverra encore son Fils, juger les vivants qui ne l'ont pas reçu. C'est pourquoi, moi, Dagbovi, je professe ma foi en Dagbo, Dieu notre Créateur, lui qui est Père, Fils et Esprit, qui a pris chair en parfaite son temple, mon amen, et en sa très sainte Église en restauration, la nouvelle Jérusalem descendue du ciel. Je crois en la fin du règne de Satan et à la fin de la persécution des vrais adorateurs du Christ. Je crois en toute la cour céleste descendue avec Dagbo sur la terre. La nouvelle vie après les jours de tribulation qui purifieront la terre et à la vie éternelle promise par Dagbo, Dieu notre Père. Amen. Empli de la force de Dagbo, Dieu Esprit Saint qui habite en nous, prions pour que nos frères et sœurs du monde entier vivent de la vie du Christ Jésus ressuscité. Témoignage évangélique, ta présence miséricordieuse et la beauté de la vie des enfants de Dieu. Nous t'en prions. Oh,
notre Dieu, nous te prions pour la communauté internationale. Donne ton esprit d'unité aux gouvernants pour qu'ils recherchent ensemble une solution pacifique aux situations de détresse dans le monde. Nous t'en prions. Ô Dieu d'amour, nous te prions pour les pauvres, les malades, les malheureux, tous les exclus de nos sociétés. Accorde-leur de reconnaître dans leur vie et dans leur entourage les signes de ta tendresse et de ta bonté. Dabo, écoute nos supplications. Ô Dabo, Esprit Saint, nous te prions pour ceux que tu as choisis, les Dagovis partout dans le monde. Affermis notre foi et notre intériorité et apprends-nous à trouver notre force et notre repos en toi seul. Seigneur, vers toi nous levons nos voix. Dabo, Père des pauvres, écoute nos prières de ce jour. Daigne les exaucer et accorde à tous tes enfants d'entendre la voix de ton esprit dans leur cœur. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Tabo, Bayana,
prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Puissions-nous être purifiés d'abord, notre Dieu, par l'offrande qui t'est consacrée. Qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Préparons notre cœur. Notre cœur appartient au Seigneur. Rendons grâce à Dagbo, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce. Père très saint, Dagbo, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de ton esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dagbo, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, avec ta puissance, Dagbo, Dieu Esprit Saint, tu ne cesses de rassembler le peuple des Dagbovis, de restaurer leur vie, afin que partout dans le monde, ils représentent pour toi une offrande pure. C'est pourquoi, Dagbo, Dieu Tout-Puissant, ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a quitté le royaume des morts en tant que vrai Dieu. Nous te supplions de consacrer toi-même nos vies et de nous rendre dignes d'être en ta présence, de consacrer les offrandes reçues de toi que nous t'apportons. D'abord, source de toute sanctification, consacre aussi par ton esprit le pain et le vin, corps et sang de ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Fofo Jésus-Christ, pour qu'il devienne la sainte nourriture de nos corps et de nos âmes, qui fera de nous, de ton Fils et de toi-même d'abord, un seul corps et un seul esprit.
La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Et les yeux levés vers Dabo, son père et notre père, il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Je t'exalte, mon Dieu, je bénis ton nom à jamais. Je veux te bénir chaque jour, louer ton nom toujours et à jamais. De même, à la fin du repas, il prit la coupe et les yeux levés à nouveau au ciel, te rendant grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude des Dabovis qui seront choisis en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Je t'exalte, mon Dieu. Dieu notre Père, pour nous souvenir de la passion de ton Fils qui est notre Sauveur, de la gloire que tu lui as donnée après sa résurrection du royaume des morts, à cause de son obéissance et de son ascension au ciel auprès de toi, nous te rendons grâce en offrant nos propres vies. Et nous attendons son retour pour la purification du monde, tel que tu nous l'as promis. Dagbo, Dieu Tout-Puissant,
Tu as fait une nouvelle alliance avec ton fils à Galilée, celle de venir nous repêcher, nous tes élus, et de restaurer complètement ton église en perdition. Au nom de cette alliance, nous te le demandons, Dagbo, Père de miséricorde, ne regarde pas nos péchés, mais ta très sainte église qui représente tout pour toi. Nourris-nous du corps et du sang de ton fils, et par ce même corps et ce même sang, guéris-nous de toutes sortes de maladies du corps et de l'âme, et accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit en Fofo Jésus, et en toi, Dagbo, Dieu notre Père. Dagbo, Dieu Esprit Saint, fais de chacun de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour, comme tu nous l'as promis, les biens du monde à venir après la purification du monde auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, dont les pleurs et les intercessions nous ont valu ta prise de chair parmi nous avec les saints, les anges, les archanges, les apôtres, les prophètes, les patriarches, les martyrs et tous les saints prometteurs de la mission de Panamé qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Dagbo, Dieu notre Père, nous te supplions encore par le sacrifice de ton Fils qui a donné sa vie pour nous et qui nous réconcilie avec toi, donne la paix et ton salut à tous ceux qui te cherchent à travers le monde et sauve-les des jours de tribulation. Affermis la foi et la charité de nous, tes enfants d'Adouvie, dans ta très sainte Église, et débarrasse-la de toute diversion diabolique tout au long de son chemin pour les siècles sans fin. Veille sur ton vicaire et frère jumeau de Fofo Jésus-Christ, le pape Christophe XVIII, ses collaborateurs directs, les cardinaux, les évêques représentant ton vicaire dans les diocèses, en particulier ton serviteur, l'éminence Luc Junior, et tous les collaborateurs, les prêtres, les diacres, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi de la très sainte Église et de tous les Dagbovis ici réunis et ceux répandus à travers le monde, dont toi seul, Dagbo, connais la foi et l'attachement. Dagbo, écoute nos prières. Nous, ta famille assemblée ici devant toi et celle répandue à travers le monde, adoucis le cœur de ceux qui te rejettent et ramène-les à toi, afin qu'ils puissent goûter aussi à la joie de la plénitude. Pour nos frères défunts qui ont déjà quitté ce monde et dont toi seul connais la foi, nous te prions, Dagbo, fais-leur miséricorde. Reçois-les dans ta paix. Pour les Dagbovis qui ont déjà quitté ce monde, nous te supplions. Dagbo, donne-leur la vie éternelle. Pour nous, Dagbovis qui sommes encore dans la chair, ne regarde pas nos péchés. Nous espérons être comblés tous ensemble avec eux, dans la gloire pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dagbo, Dieu Tout-Puissant, toi qui es Père, Fils et Esprit Saint, à qui reviennent tout honneur et toute gloire pour les siècles sans fin. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière reçue de Dagbo, Dieu notre Père. Notre Père qui es aux cieux et sur terre, bonhomme avec nous. Que ton nom soit sanctifié comme depuis les origines. Que tu sois notre roi comme tu es celui des saints du paradis.
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Déverse en nous tes grâces pour qu'elles surpassent tout ce dont tu nous as déjà comblés. Donne à nos frères le pain quotidien comme tu nous en donnes. Pardonne-les comme tu nous pardonnes. Délivre-les de tout mal comme tu nous délivres. Épargne-les de toute tentation comme tu nous en épargnes. Et conduis-nous à la vie éternelle. Amen. Délivre-nous de tout mal, Dagbo, Dieu notre Père. Délivre les Dagbovis ici présents et d'ailleurs des ennemis visibles et invisibles. Délivre-les de toutes sortes de maladies, même incurables. Délivre-les des envoûtements et des mauvais sorts. Épargne-les des accidents mortels, des pièges de Satan et de ses suppôts. Fais-nous la grâce de la santé, de l'âme et du corps et donne la paix à notre temps. Donne la paix à tes enfants, les Dagbovis. Donne la paix à leur conscience et bénis-les. Bénis toutes les activités qui t'honorent, bénis leur famille. Accorde du travail aux chômeurs et la promotion à ceux qui en cherchent. Par ta divine miséricorde, Dagbo, libère-nous de l'aveuglement du péché. Libère-nous de l'endurcissement du cœur. Et rassure-nous devant nos ennemis, nos persécuteurs. En cette vie, nous avons foi en ta puissance. Et espérons la délivrance et le bonheur que tu as promis à tout un chacun de nous, ainsi que l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles sans fin. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, ceux d'hier et d'aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos infidélités, ne regarde pas nos transgressions de ta loi. Ne regarde pas nos manques d'amour, nos manques d'humilité et nos manques de miséricorde. Mais regarde plutôt la foi et l'attachement de ta très sainte Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles sans fin. Que la paix de Dagbo, notre Dieu, soit toujours avec vous. Et avec vous aussi. Acte de contrition. Heureux êtes-vous d'être les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dagbo, le Christ notre Sauveur, celui qui enlève le péché du monde. Dagbo, je ne suis pas digne de recevoir ton fils, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous guérissent, nous délivrent et nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Thank you.
Prions encore le Seigneur. Comblé d'un si grand bien, nous te supplions Dagbo, Dieu de bonté. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je vous salue Marie. Pleine de grâce, l'amour est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et pour Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Pour que gloire soit rendue à Dagbo, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, comme il était à l'origine, maintenant et toujours, dans les siècles sans fin. Amen. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts, et en nous, sachez que il nous rendra victorieux dans tout ce que nous traversons. Fort de cette foi, de cette assurance, de cette confiance en Dagbo, nous allons rendre grâce pour ce jour, pour ce dimanche, jour de fête et de joie. Nous invitons la chorale à nous accompagner. Thank you.
remercions toute l'équipe de la réalisation et tous les Dagbovis aussi du monde entier. Nous remercions également la chorale qui a assuré l'animation. C'est la chorale Rai du Doyenné Saint-Gabriel. Merci beaucoup. Et surtout aux Dagbovis, un dernier message pour tous les Dagbovis du monde. Courage, persévérance, car Dagbo est Dieu. Et quand Dieu fait une promesse, il la tient toujours. Courage à tous les Dagbovis du monde. Le Seigneur est avec vous. Et avec vous aussi. Et que Dagbo, Dieu Tout-Puissant, vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie de toute la cour céleste. Amen.